c'est parti, on est au Burkina Faso toujours, on est à Bobo-Dioulasso. Eh bien ça vient du cœur. À l'IF de Bobo-Dioulasso. Et à Bobo, j'ai rencontré un homme tranquille. Tranquille, hein? Petit solo diabaté. Petit solo diabaté, ça sort souvent de sa bouche, ouais. Un homme tranquille. Et j'ai aussi et surtout et néanmoins rencontré enfin un balafon, cet instrument mythique d'Afrique que je n'ai pas rencontré avant sur les 15 premières dates et les pays que j'ai pu rencontrer. Et j'ai aussi un dieu vivant, un jeune dieu vivant du balafon. Ces musiciens africains, ils s'arrêtent jamais de jouer, c'est pas possible. Et Solo, il est aussi instrumentiste. Alors, balafon, pour le plaisir. Ce soir, on va jouer, ça va tabasser. Et on va retrouver le Goni que nous avions vu au Mali. Solo, je te demande juste si tu veux dire quelques mots. Si tu veux dire quelques mots sur ton travail, de baisser un petit peu le son. Oui. Et si tu veux évoquer quelques mots sur ton travail. Salut la famille, plaisir. Ça va? Moi c'est Petit Solo Diabaté, de Bobo-Dioulasso, plus précisément au Burkina Faso. Ouais, moi je suis un artiste. Je joue du balafon, du Goni, les guillemets et un peu de tout quoi. Bon, j'aime partager ma vie de musique avec les artistes d'ailleurs. Ouais, comme vous voyez à côté de moi avec le maestro Vincent, ouais, venu de la France. Tu vois, donc on est ensemble. Merci à vous. Big up, Antje, tranquille. Et on enchaîne avec un morceau du spectacle ou ouais, pas. Ouais. Et je te laisse visiter le balafon comme tu aimes le faire, okay. Avec toute ta liberté et ta frénésie. Quel plaisir de rencontrer toutes ces propositions, toutes ces couleurs, toutes ces voix, tous ces chants.